jusqu'au bout, il faut le poursuivre. Attendons vendredi, j'attends sa réponse. Merci. Est-ce que Dany... Nous sommes tous Kolbsheim aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu sais que Claire a été relâchée? Voilà. Mais je suis avec elle. Mais on m'a dit qu'elle a été relâchée alors que je ne savais même pas qu'on l'avait arrêtée. Si, si, elle avait des menottes qui lui serraient, qui lui bloquaient la circulation. Elle était dans la ZAD. Elle paraît-il, à l'entrée de la ZAD. Elle s'était attachée. Et puis, alors, en tout cas, ils lui ont mis les menottes, enfin, les trucs les élastiques. Les bracelets plastiques. Voilà. Oui, c'est pas élastique. Mais, hein. Non, mais ils l'ont relâchée. Oui, on était ensemble. Il y a eu des blessés. Ça, c'est la gendarmerie qui a été très. Oui. Il y a eu des blessés sur place. Mais les gendarmes sont super. Mais les autres, c'est des bourrins. Mais tous ceux qui étaient en face de nous, ce matin, c'est des bourrins. Non, les gendarmes, c'est les nôtres, c'est les bleus clairs, c'est les chemises bleus clairs. Oui, oui, c'est les bleus foncés. Les bleus foncés, c'est les mobiles. Mais c'est les casques, il faut peut-être qu'ils n'entendent pas, je ne sais pas. Je suis désolée. Oui, moi aussi.